voyant l'endormant. Eh oui, dit Gordon Deza pour Games Deza TV avec Dani, Alora Deza et Eject qui est dans le camion. Donc on vient d'arriver à Ajaccio. Hein. Avant d'aller chercher nos bornes, on va aller faire un petit tour à Cultura, le premier Cultura de Corse, rendez-vous compte, incroyable. Hein, juste en face de la FNAC là-bas, chez les vrais. Au temple de la culture, n'est-ce pas? Bien sûr. N'est-ce pas? Bon, on s'y rend, on va voir Julien. Eh oui, Julien, est-ce qu'il est plus là-bas? Il est là maintenant. Et donc voilà, nous sommes rentrés hein, dans ce fameux Cultura, c'est immense. Il y en a de partout, regardez, mise au point. C'est très grand, c'est très grand. Il y en a sûrement pour tous les goûts. Je sais, on va dire que je filme en mode selfie, machin, tout ça, que c'est pas idéal, ça aurait été mieux avec une caméra fixe, n'est-ce pas, Jack? Caméra fixe? Bah alors ça va être compliqué de te suivre avec une caméra fixe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, de suite, on est accueilli par... Bon, exclusivement, je touche avec l'autorisation. Hein. Voilà. Nous avons les autorisations officielles. Bravo. Merci. Maintenant, ouais. Faut que j'achète, c'est ça, j'ai touché, j'achète. C'est ça. Ah, merde. Non, c'est si tu le casses. Tu me fais un prêt. Du DVD, donc c'est cool. Du Gundam, non. Charlie. Il y a du Gundam. C'est réel. C'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée. Ce sont peut-être les premiers à proposer du Gundam dans une boutique en Corse. Il y a des chances. Il y a des chances. Un origami qui n'est pas à vendre, je suppose. Oh Daniel, qu'est-ce que tu trouves? Une petite Master Sword. Hein. Ah, elle est belle hein, celle-là. Hein. Pas mal. Oh, ils ont même les First War figures. Oh, bah ça c'est rare, tu vois. C'est rare. Ils font des figurines de très 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 bonne qualité. Vraiment. Là on sait ils ont pas mal de choses. On sent qu'ils ont bien. Ils ont bien ciblé leurs produits quand même. Oh là là, regardez-moi ce tableau. C'était pas pris par hasard. Du banc de presto. Non, c'est pas... Moi quand je vois Metal Slug, je suis interpellé au circolo. Capitaine Flamme. Car... Voilà, donc on ressort du Cultura, mais bon, l'aventure n'est pas terminée. Maintenant, il faut aller chercher les bornes au Buffalo Grill. Et on se retrouve de suite après le générique. Amis, nous voici de retour à Buffalo Grill d'Ajaccio après 2-3 mois, ça fait je ne sais plus combien de temps déjà que nous étions venus ici pour chercher notre première borne d'arcade Sega Touring Car. Alors, il n'y a pas qu'une bonne nouvelle, on devait venir chercher deux bornes et finalement nous venons avec une seule borne et nous avons ici
notre camion qui arrive. Alors attention, attention. Regardez avec quelle efficacité la rue va se garer. J'ai peur que. Avec la porte, je sais pas si on peut plus. T'as vu, t'as même le bruit du moteur, regarde. Non, on va être dans les bouchons. Non, ça ne va pas. Non. Tu peux aller sécuriser. Arrivé sur notre lieu de débarquement et putain c'est quoi ça, on s'est trompé de borne les gars. Ouais, on s'est trompé de borne. On avait dit la Harley, ils nous ont chouré la Harley. C'est quoi ce bordel? Allez, voilà. Harley. C'est quoi ce bordel? C'est rien, il y avait une heure. Bah écoute, j'ai fait plein d'essence et puis oh les gars, je vous ai payé pour quoi là? Ça c'est encore, hein, c'est encore un coup ça, des Allemands. Ça c'est non, bon, moi je suis là, déjà c'est la faute des Allemands ça. Et voilà, on a ramené les deux bornes dans un local tenu secret. Hein, donc tiens, je vais pas me déjà dessus. Localisé, hein. C'est quelque part à Ajaccio. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Hein, pour un autre épisode à la con de Arcade Team.